Et allez, troisième jour de pluie. Je sais plus qui j'aime le moins entre Evelyne Delia et Édouard Philippe. Alors je peux pas sortir, mais ce sera pas une journée perdue. Je vais en profiter pour faire toutes ces choses qu'on remet toujours au lendemain parce que ça nous emmerde. Bonjour. Hop, ça, c'est fait. Pour rien oublier, j'ai préparé une petite liste. Alors, petit 2, appeler son meilleur ami hospitalisé. Ça sonne. Bruno, comme ta bonne mine. Ouais. Alors, comment ça se passe à l'hôpital? Pas trop dur? C'était il y a 6 mois. Ouais, bah oui, bien sûr, mais tu l'as eu, hein, ce foutu cancer, hein, le crabe. C'était un accident de bagnole. Ouais, mais le mec qui t'a grillé le stop, il était cancer. Ouais, écoute, j'ai pas trop le temps de te parler, là. Je suis occupé. Ok, et eh ben, tu fais la bise aux enfants. Ouais, l'accident. Ouais. Prends soin de toi. Ça a dû lui faire plaisir d'avoir de mes nouvelles. On est comme cul et chemise tous les deux. On se connaît depuis la maternelle. Alors, petit 3, finir de ranger les cartons du déménagement qu'on n'a jamais vidés. Oh, ça alors, regarde! Une photo de ta grand-mère. Putain, c'est dingue, on dirait toi avec des rides. Non mais c'est moi l'été dernier, ça. Ah ouais. Ah, par contre, là, il y a une photo de ton grand-père. Fais voir. Oh, papy. Tiens, garde, là, on va l'afficher dans le salon. Ouais, en plus, vous avez vraiment pas mal de points communs, tous les deux. Oui, bah ce serait pas mal d'envoyer une patrouille maintenant. Le voisin ne respecte pas le confinement. Ça fait plusieurs jours. Ouais, c'est ça. Allez, au revoir. Petit 4, enlever les feuilles mortes dans la gouttière. Ça, c'est un truc de bonhomme. En plus, c'est dangereux parce que avec la pluie, ça glisse. J'y vais, hein. Petit 4, ça, c'est fait. Petit 5, appelez ma maman. Ça sonne. Bon, Bruno, qu'est-ce que tu fais chez ma mère? Personne. J'arrive, mon cœur. Petit 6, remplir ma déclaration d'impôt pour que l'État ait de l'argent et puisse constituer un stock de masques au cas où il y a une pandémie. Bon, petit 7, enlever les feuilles mortes dans la gouttière. Prenez soin de vous!